là, fais-toi aller un peu. Ah ouais, 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 fais-toi aller.
You might love me, I'll be on the floor.
J'invite la directrice des études, Madame Stéphanie Paul, à monter sur scène pour dire son mot de bienvenue. Pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette soirée où le talent et la créativité de nos étudiantes et de nos étudiants sont à l'honneur. Cégep en spectacle est le plus important concours des arts de la scène du réseau collégial et c'est une fierté pour notre cégep de diriger les projecteurs vers 27 étudiantes et étudiants qui ont choisi de faire preuve de courage et d'audace pour vous présenter un total de 7 numéros. Ce soir, l'animation sera assurée par un trio d'étudiants composé de Noé Vernette, Zachary Charton et Samuel Gauthier. Ils prendront le relais dans quelques instants. Excusez. Mais avant cela, vous aurez le privilège d'assister en primeur à la toute première prestation sur scène de la nouvelle troupe de danse du Cégep, la troupe Impulsion. Au terme de cette soirée, un seul des 7 numéros ressortira grand gagnant et représentera le Cégep de Baie-Comeau à la finale régionale de Cégep en spectacle. D'ailleurs, je suis très heureuse de vous informer que cette finale régionale se tiendra le samedi 9 mars 2024 à Jonquière. Enfin, j'aimerais dire aux étudiantes et aux étudiants qui monteront sur scène d'oublier l'aspect de compétition, de vous amuser et de profiter pleinement de votre moment qui sera marquant dans le parcours collégial. Enfin, lorsque le jury se retirera afin de délibérer, nous aurons droit à un numéro d'une vingtaine de minutes de l'humoriste québécois Alex Lévesque. Ce temps de divertissement permettra de faire descendre la pression de nos participantes et de nos participants en attente du dévoilement final. Sur ce, une excellente soirée à chacun et à chacune d'entre vous et place au spectacle. Donc, bonjour, Baie-Comeau. Moins fort? Ah, c'est vrai, il y en a des micros. Je vous en profite. Donc, bonjour, Baie-Comeau. Aujourd'hui est un grand jour pour plusieurs. C'est l'édition 2023 de Cégep en spectacle. Et j'ai l'honneur de faire l'animation avec mon collègue et estimé ami Noé Vernet. Je m'en demandais Noé Vernet, mais je n'en demandais pas le temps. Donc bonjour à tous, je suis super content d'être ici ce soir. Donc, moi je suis un étudiant français, enfin breton, un pays connu pour son taux d'alcoolémie et ses plages. Aujourd'hui, la soirée que vous allez vivre va être parsemée de numéros concours, c'est pourquoi vous êtes venus, mais aussi de spectacles d'animation. Comme ce qui a été dit, il va y avoir une entracte suivie d'un spectacle d'humour offert par un professionnel. Et bien sûr, à la fin, l'annonce du grand gagnant. Donc, maintenant que la présentation de tout ce qui se passera a été faite, comme à notre chère présentatrice a dit, il y aura des juges qui vont juger ces présentations de ces élèves. Premièrement, il y aura Marie-Hélène Baudry. On va d'abord demander au juge de se lever. Oui, ça serait préférable d'avoir un visage. Tous. Puis, voilà, une belle salle d'applaudissements. Puis, vous pourrez, puis ensuite, quand on vous présentera, vous pourrez vous lever individuellement. Pour les différenciers. Pour les différenciers. Un peu d'exercice, ça fait du bien parfois. Donc, c'est au tour de Marie-Hélène Baudry. Parce que vous l'avez laissé se faire présenter, mais honnêtement, je vais voler son punch et je vais la présenter pour un peu moins de punch pour elle. Donc, elle est abitimienne d'origine et aussi metteuse en scène de formation. Elle est baie-comoise depuis 2010. Elle a co-fondé une troupe de théâtre amateur au sein de l'Ouvre-Voie culturelle qui en sera à sa 11e production cette année.
Douzième. Ah oh, ben là c'est pas moi qui l'a écrit là. Douzième. Ah oh, ben c'est encore meilleur. Bravo. Elle a aussi participé en tant que comédienne dans plus d'une vingtaine de pièces, dont trois spectacles dans l'espace 4 théâtres. Et depuis 2018, elle contribue au développement et à la promotion des arts et de la culture régionale au sein de l'équipe de culture Côte-Nord. Prochaine, Megan Garneau. Elle a débuté l'enseignement en danse et style hip-hop dès l'âge de 13 ans. Elle a aussi, elle est coordinatrice artistique et pédagogique de l'Académie de danse de Bécomo. Donc, on a une bonne école. C'est à mon tour de vous présenter Daniel Cardin. C'est un musicien plutôt polyvalent, ayant un grand intérêt pour la danse, particulièrement pour le swing. Pour lui, la démarche artistique est, selon ce qu'il a écrit, l'une des plus belles façons de partager nos émotions, nos opinions et nos connaissances. Par la suite, j'aimerais vous présenter Pia Dilala. Il s'agit de la directrice générale de l'école de musique de la Côte-Nord. Professeure de chant, de piano, de chant de chorale, elle a été chef de pupitre des chorales cantilènes et de norrois de Bécomo. Elle a dirigé le groupe local Esperanza et elle est présidente du conseil d'administration de la culture de la Côte-Nord. Et elle adore son travail. Donc, place à le dernier juge, c'est M. Herman Carl Gravel qui a un fort et énormément de trucs. Il y a une sacrée liste, préparez-vous. Oui. Ah non, je ne fais pas toute la liste. Ok, je vais la rabréger à un variant. Hein? Un variant? Oui. Ok. Donc, en simple et condensé, c'est depuis qu'il a commencé l'improvisation à 12 ans, à l'âge de 12 ans évidemment, à la Maison des jeunes de Fermont. Il a eu la chance même de représenter le Québec avec la LNI lors du Mondial 93 à Montréal. Et il continue toujours aujourd'hui son implication dans le domaine de l'impro, surtout au niveau des jeunes et de la formation de la relève. Il est technicien et directeur technique depuis une trentaine d'années, directeur technique de différents festivals et de musique au Québec. Il est aujourd'hui technicien informatique, électronique et audiovisuel pour le Centre de services de l'Estuaire. Il a aussi une personne responsable du volet cinéma pour la polyvalente des baies. Et je vais garder le reste à lui, qui, si j'ai pu, pour une soirée, le rencontrer un jour. Pour la suite, et c'est mon camarade qui va les présenter, mais on va vous demander d'accueillir une nouvelle troupe de danse. Oui, cette année, en collaboration avec l'Académie de danse de Bécomo, et du CEGEP. Une toute nouvelle troupe de danse est née, et ce, ici même, pour la première fois ce soir, 12 étudiants qui la composent vont vous présenter leur numéro hors concours. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour la troupe de danse Impulsion! Y'a toujours trop de bruit. Yeah.
C'est bon, ça marche. Ah. T'étais volontaire pour l'animation, toi? Oui, mais j'aurais pas pensé. Il y a des petites affiches là, à l'extérieur avec marqué les stagiaires de une liste infinie de trucs ne sont pas payés, travaillent sans rémunération, mais les stagiaires d'animation, zéro. Pas un seul sou, on devrait être payé, on devrait être augmenté. Ah, ça serait une vachement bonne idée. Combien? De 100%. Mais ça change rien. Mais si, c'est une augmentation. Mais 100% de zéro, ça fait zéro. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ça sonne mieux dans ma tête. Est-ce que... Attends, c'est pas qu'une question d'argent. Mais c'est... Par contre, pourquoi être diminué? Ouais, on peut pas être diminué, c'est vrai. Mais, je veux dire, c'est aussi une question de temps. Oui. Je veux dire, regarde, mesdames et messieurs, la personne ici présente est en science nat. Vous pensez qu'en tant que science nat, il a le temps de faire l'animation? Et même si t'avais du temps libre, t'aimerais faire quoi? Oh, la pêche. Ah, de la pêche, voilà. La pêche. Bon, c'est pas la saison, mais moi aussi, j'aimerais faire de la pêche. Ouais, c'est toujours la saison pour la pêche. Non, en vrai, non. Moi, je me verrais bien. Sur mon transat, faut imaginer au soleil, hein, parce que là, il n'y a pas de soleil, mais il faut imaginer au soleil. Sur mon transat, avec ma canne à pêche, le petit lac en face, oui, et la radio à côté. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, j'en dis que ça serait une vachement bonne idée. Tu travailles même pris ma canne à pêche. Tu travailles toujours avec ta canne à pêche? Ben oui. Tu rêves de la pêche? Oui. Parce qu'en pêche que... Avant. Si j'avais ma petite radio avec la bonne musique, je pense que ce serait le paradis, tu vois. Plutôt qu'être ici, enfin, avec tout mon respect, hein. Je vous vois pas, mais vous avez l'air très sympa. Mais voilà, je pourrais être n'importe où. Ça serait une vachement bonne idée. Mais par contre, on n'a pas quelque chose à présenter, Oh, oui, attends, tu me le rappelles. C'est vrai que niveau musique, j'avais complètement oublié. Attends, c'est marqué là. Oui, bah justement, à propos de musique, la prochaine présentation sera une présentation de trois personnes, deux guitaristes et un batteur. À la guitare, Félix Arsenault et Benoît Tremblay. Et à la batterie, Zachary Samuel, qui vont vous interpréter deux chansons. Donc je vais vous demander une salve d'applaudissements à l'avance. C'est vrai que l'heure avance et je pense qu'on va pas tarder à leur laisser la place. Je t'envoie les tuyaux.
seul comme les autres. C'est ce que je croyais en apprenant ce qui est arrivé. J'aurais tellement voulu dire au revoir ou à bientôt. Mais maintenant je suis conscient que t'es mieux là-haut. Aujourd'hui j'ai voulu t'écrire cette chanson parce que je suis à quel point tu deviens de moi. Prends soin de papy, de tes filles et de tes petits-enfants pendant que je m'occupe que tout le monde se souvienne de toi. Yeah.
Je sais pas pour vous, mais pour nous en coulisses, c'est de pire en pire. C'est ce qu'il m'a demandé ? Non. Il m'a dit, faut rendre ça plus vivant. Ah, plus vivant, comment ? Mais je sais pas, plus vivant, c'est fait depuis tout pendant qu'il y a la musique, là. Il m'engueulait dans les coulisses, il disait, ouais, pour rendre ça plat, pour rendre ça plus vivant. T'en rends compte ? Je précise, on n'est toujours pas payé. plus vivant, mais forcément, sans payer, pas autant plus vivant que l'argent. Que l'argent pour payer, plus vivant. Ouais, pas d'argent, pas de vivant, ça marche. Mais je trouve ça devient un peu plate. Tu penses à ce que je pense ? Oh oui. Reprenons notre discussion tout à l'heure. Là, saleté de chapeau qui coince toujours. Là, voilà. Ah. Avec un peu de paille, j'ai un peu de chapeau. Non, pour moi, j'ai une technique familiale. Mais, mon grand-père. Hmm? Oui, dans notre famille, on éduque nos vers. D'accord ? On a un cirque de vers savants, précisément pour la pêche. Ah. Et... Le vers, on était d'accord avec moi, le vers c'est le meilleur des leurs. Non. Pas. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Tu utilises quoi, toi ? Moi, j'utilise la meilleure technique qui existe pour pêcher le plus gros poisson dans un lac, qui est du fromage. Tu te trimbales avec du fromage dans ta poche ? Oui. Juste pour ce genre d'occasion ? Non. C'est très bon à survie, pour pêcher encore plus. Non, c'est des poissons, pas des souris. Tu vas pas venir les chercher avec le fromage. Le fromage, tu mets ça sur un piège à souris, pas sur un truc à poisson. Tu vas voir, j'ai vu ça une vidéo, ça marche à du tonnerre. Comment ça, Comment ça dans une vidéo, des documentaires ? Je te passe d'années d'expérience avec mon grand-père. Je te parle de la pêche en duo, ensemble. Je sais, j'ai été autant imbu de toi. Mais je te jure, ça fonctionne. Bah, je te crois pas. Tu me crois pas ? Je te crois pas. Attends. La pêche en duo, mon gars, c'est une expérience, c'est un partage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que ah, mais en parlant de duo, il n'y a pas un duo qui s'en vient. Maintenant tu le dis. C'est... Tu devrais le présenter. Oui. On pourra continuer notre discussion après. Il faut quand même qu'on fasse notre job. Oui. On n'est toujours pas payé pour le faire, mais on doit le faire. Ça serait préférable. Donc, il y aura Elliot Cormier et Mathieu Jourdain qui vont vous présenter une chanson. On les applaudit bien. Dans le fond, pas vous mentir, moi, soir, je suis pas mal stressé, mais je pense que c'est rendu trop tard pour... On virait de bord. Par un beau matin d'hiver, une belle couche de neige me s'éteint. Je cale mon café cheminot, je m'attrique chaud dehors, illico. Et puis un, puis trois, quatre, cinq coups de crin d'homme. Du chaud, qu'écoute ça décolle les choses. T'es jaloux. Ah oui, t'es jaloux de ton sled de montagne de 14 000 piastres. Moi j'ai un Panther Articat triple usage, je te jure que je te pogne de like n'importe quand. Tu prends que chez vous c'est skidoo, juste parce que t'es jaloux. 3, 4 de mon Panther Articat triple usage. Oh non, t'as dit que c'est pas gênant. Thank you.
J'ai sauté le rocher longtemps que plus de pieds d'impôts, j'ai dit ça que je devais faire. Ma peine, j'étais là, ma peine, j'étais pas bien, pas de l'eau, j'ai pas dans les choses, j'ai pas de l'eau. Mais je prends de l'acte à l'échelle, dans le ciel de mon rêve. Puis donne-y du chou, gagne du chou, mais raquette et ma peine. Quelle ose de sel en dessous de la croûte, la vie de la sel. Oh, le four, again, and again, puis tu vas que, puis colle, le col, le terrain, et tout est parfait. Voyons, pas mal, j'en viens de ma way, no! Oh, il faut, des faux, hey! Debout en chandelle, moi j'suis du calme, j'fais pas d'elle. Un peu d'eau, c'est pour les poignets, poignets chauds, pas comme que j'aime. Tu pognes pas ta main, ça rire, moi j'suis pas bon, mais pas j'ai vu qu'elle se lève, j'essaye de voir mon temps. À vous être proposé par des membres du personnel et certains professeurs, si vous connaissez. Et je crois qu'on nous a... Oui. Vous n'avez pas parlé de ça? Non. Qu'est-ce que c'est? En quoi? En algues? Mais c'est hors de question. On va faire des algues. Mais où est-ce qu'il est allé dénicher ça? Moi, tu veux manger des algues là-dedans? C'est la question. Il est toujours là? Ne dérange pas le fait qu'il est, mais. Il est toujours là? Je sais pas, mais. Oui, il est en dessous. C'est bon, il va dire qu'on s'en va. Hors de question qu'on prenne ça. Quelque part dans les abîmes de soucis et de l'effroi, trois valeureux poissons possédant un QI différent fort humoristique prirent une décision risquée de monter sur scène dans une contrée de gens heureux, et ce, au péril de leur notoriété. Ah non, ça en vient vers notre banc.
Hey, gros ben, toi, chose, on est une deux. Hey, vite, on se cache à l'eau. Oh non, trop tard, il nous a vus. Ah, puis je m'en fiche. Alors, pourquoi vous nagez en bain? Encore une histoire de bain? C'est quoi, trois poissons égale un bain? Ben, premièrement, on ne nage pas. On nage parce qu'on marche plutôt. Puis, deuxièmement, normalement ici, il n'y a pas de requin. Normalement. Et de ton nom? C'est quoi, vous n'avez pas la pêche aujourd'hui? Ouais, je pense qu'il y a un sous-roche. Je vais aller nager avec vous. On fait du rythme, désolé. C'est pas me voir en poisson, hein. Moi, je vais aller prendre un verre, ça remonte. Ça remonte super vite, prendre un verre. Je vous jure. Oh non, c'est assez l'alcool. C'est assez, t'en comprends-tu? Pourquoi? Surveille ta ligne! Hey, non! C'est assez dans le sens de ça suffit, pas dans le sens de grosse comme une baleine. Je suis pas une baleine, pas un requin. C'est la vie de paix. Effectivement. Bon, de quoi qu'on parlait, là? À toi! Vous êtes muette comme une cape, c'est ça? On m'aide un peu avec le texte. En tout cas, moi je vous invite, là, on peut aller visiter l'océan, hein, c'est très grand, il y a toutes sortes de choses inimaginables là-dedans. Dont le filet le plus petit au monde, le string. Oh, le string! Le string? J'ai jamais entendu parler de ça. Hé, hey, quoi? Le string? Tu connais pas? Ben, non. C'est grave? Oui, c'est grave, ça manque à ta culture. Non, le string, ou quoi? Un barbu. Il y a toujours un macro qui tourne autour. Hein? Ah! Hey, c'est brillant, cette affaire-là? Il m'agace en plus. Ah! Un fromage! Les filles, je vais pas manger! Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait, nous autres? Ben, on va partir avec notre bain. Ils sont partis. Ça t'arrête, oui. C'est bon? Mon Dieu. Oh, heureusement qu'on a échappé à ça. On va pouvoir venir en chose sérieuse maintenant, c'est bon? Des algues. J'ai pas signé pour ça. J'ai pas signé tout court, d'ailleurs. Non, moi non plus. Le prochain spectacle sera organisé par... On parle plus bas, sinon il va nous entendre. Par Antoine Morency, qui fera deux chansons, dont une accompagnée au piano. On peut l'applaudir. Ils s'envolent encore.
au milieu des déserts, de froid, de faim et de faim, contre la tyrannie, il refait son lit. Plus chaud, le cœur. Tout seul sur le quai, toi, c'est...
En scène. Bon, reprenons notre discussion. Ouais. La pêche. On va chercher la canne à pêche. T'as toujours pas d'accord. J'aime ce chapeau. Bon, t'as beau avoir ta canne à pêche, c'est pas ça qui va aider notre discussion. Je persiste à dire que le verre, c'est un meilleur leurre. Ouais. Avec ça dessus. Tu vas vraiment monter ta canne à pêche? Oui. Pourquoi pas? Tu vas utiliser ton vieux fromage, là? Pourquoi pas? Parce que ça va empuanter toute la salle, attends, bouge pas, je t'ai fait ça dans la police. Magnifique faux fromage, admirez le talent d'artiste. Ouais. On va accrocher ça. Ça me ferait plaisir, une petite salle d'applaudissement pour ce magnifique fromage. Voilà. Parfait. Tiens, tu veux pas l'essayer dans la police? Non, pourquoi? C'est à dire approcher quelque chose. Dans le fond, je pense que la pêche. Oh là, doucement, doucement, doucement. Rapproche-toi, va chercher, va. Je pense que la pêche, c'est... Ça va? Ouais, ouais. Il dormait dans l'eau proche, j'ai juste ça à faire. Comment ça marche, ce truc? Faut peut-être... Ah, si tu veux le défaire, faut peut-être enlever ça. Ouais. Monsieur le génie de la pêche. Oh, ça faisait longtemps. Trop de science, Nat. C'est ça. Et après, faut faire ça. Et commencer à tenir ça pour remonter. Ah. Voilà. Et la pêche, mesdames et messieurs, pour moi, c'est vraiment un art. Je pense que c'est familial. Il y a quelque chose qui est vraiment que j'aime dans la pêche. Il y a quelque chose de il y a une saveur, un passe-temps. C'est vraiment. C'est quelque chose de. Je pense que ça mord, en fait. C'est quelque chose de très profond pour moi. C'est quelque chose de vraiment. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Que ça mord, du trop. Ça a vraiment ça s'est cassé. Ouais. Va chercher ton fil, tu vas pas le perdre, sinon ça va ranger. J'arrive. Ah, quel maladroit, je vous jure. On travaille. Non seulement je ne travaille pas parce que je suis pas payé, mais en plus je travaille avec des imbéciles. Non, c'est pas vrai. Je t'aime, Samuel, gros bisous. Les deux prochaines artistes seront des danseuses, Alissa Beaulieu et Lélia Saunier, qui vont vous présenter une prestation de danse. On les applaudit bien fort.
connais bien. T'as même voulu te faire ma mère. T'as commencé par ses seins. Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? T'as trouvé ton fil? T'as retrouvé ton fil? Perdu pour de bon. Perdu pour de bon, mon Dieu. Viens t'installer à côté de moi, j'ai une bonne histoire de pêche à te raconter. Ah oui? Oui, c'était samedi dernier, j'ai vu un documentaire dans le fond. C'était un documentaire de pêche, tu t'en douteras, de pêche dans un lac. Il y avait un requin, ce qui était un peu étrange pour la pêche dans un lac. Puis, dans le fond, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à rapprocher la caméra de manière à ce que il y ait les moindres détails, les moindres expressions d'un visage de poisson. Je sais, tu vas trouver ça bizarre. Vous aussi, vous allez trouver ça bizarre, parce que les poissons, ça n'a pas beaucoup d'expressions, mais ils ont réussi. Tu voyais le poisson s'approcher de... C'était un fromage. Je sais pas, ça devait être un de tes ancêtres, voilà, qui a fait ce diaporama, mais c'était... Il s'approchait, il y avait une telle grâce, une telle délicatesse. C'était de l'art, c'était de toute beauté, vraiment. Moi, ça m'a vraiment marqué, c'était un souvenir quand j'en pense encore aujourd'hui, j'ai un peu la larme à l'œil. C'était vraiment quelque chose, il y avait une telle, un tel entrain, une telle... Je pense que ça pourrait être comparé à de la danse, ça pourrait être comparé à quelque chose de... Oh, je sais pas comment le décrire, c'est vraiment... une sorte de... Ah, je sais pas comment dire, c'est vraiment quelque chose qui te soulève l'âme, quelque chose qui... Ça te frappe tellement fort que ça te... Je veux dire, tu vois le moindre mouvement, c'est très gracieux, avec l'eau qui coule sur les écailles du poisson. Je sais pas, il y avait du son, je sais pas comment ils ont ramené un micro dans l'eau, mais en tout cas, c'était vraiment incroyable. Ouais. Même encore aujourd'hui,
C'était aussi incroyable que faire la nouvelle. Exactement, non, vraiment, je pense que c'était l'une des meilleures techniques de pêche que j'ai vues. Et honnêtement, je pense que ça exprimait très bien ce qui se passait sous l'eau, à l'intérieur de cet endroit mystérieux qu'est la mer. Et qui. Il semble être un endroit que nous ne cesserons jamais d'admirer et de respecter. Et ça a l'air d'être aussi beau que drôle. Ah, très, très, visiblement très drôle, qui se marre depuis tout à l'heure. Je sais pas ce qu'il y avait de drôle dans ce que je racontais, mais. Bref. Il va falloir qu'on reprenne d'ailleurs, parce que on dirait qu'on dirait, mais. Tu sais ce que c'est la prochaine présentation? Non. Je vais voir ça. Reviens. Oui. Je reviens, je vais voir. Et pendant ce temps... Mais bien sûr, comment j'ai pu oublier ça? C'est notre ami, on l'a vu au début. Ah ben oui, c'est sûr. Félix Arsenault, l'un des guitaristes du premier groupe. Ben oui. Il était censé revenir pour un solo de guitare. On l'applaudit bien fort. Je suis Félix Arsenault. Non, mais... Bonsoir, ça va bien? Oui. Puis on passe un bon moment, un beau spectacle. Enfin, c'est ça qu'il faut. Fait que là, à soir, je vais vous présenter deux compositions. La première, c'est une chanson qui s'appelle « Chanson pour un ami ». Mélancolique. La prochaine, ça va être sur un ton un peu plus phoné. C'est une chanson d'amour que j'ai écrite pour un objet qui m'accompagne à tous les jours dans ma vie. C'est une chanson qui s'appelle « Mon lit ». Je me dirais bien que je me
me suis pas levé, puis j'ai pas donné de nouvelles à mes chums. Moi, je suis ben canté, je check la TV, puis aux nouvelles, y'a rien, y'a rien qui m'étonne. Pourquoi me lever quand je peux tout y faire? En rêve à ça, j'ai trouvé mon plan de carrière. Je vais être un connu, pas me réveiller de soir, pour être un artiste incompris et incomplet qu'une chambre que sur la bière. Mais là, viens pas me déranger, tu vois bien que je suis occupé. Je me sens plus proactif dans le confort de mon lit. Y'en a qui vont dire belle, t'es un exemple de la lâcheté. Je réponds, hey mon homme, tu vois que je suis en train de travailler. Se sent confortable, mes amis, mes parents, mes proches me disent mon gars t'es pas normal, puis je leur réponds, je suis désolé, je me sens mieux quand je suis allongé, je fais des images d'un coin à l'autre, de droite à gauche dans mon cerveau, je prends mon temps pour en profiter, une autre journée j'irai bouger, là en ce moment je veux relaxer, être dans mon lit, c'est ma destinée, mais là viens pas me déranger, tu vois bien que je t'occupe, je me sens plus proactif, dans le confort de mon lit, y'en a qui vont dire ben, t'es un exemple de lâcheté. Je réponds, hey mon homme, tu vois que je suis en train de travailler. La deuxième partie du documentaire se passait hors de l'eau, dans le fond, sur un bateau. En fait, le pêcheur arrivait laborieusement à ressortir l'animal, qui était un sacré bestiau, sur son bateau. Mais il fallait voir l'aplomb, le charisme du pêcheur. C'était quelque chose qui transcendait quand on le voyait. Je sais pas si vous pouvez imaginer, messieurs, ce serait... Moi, j'ai l'impression de l'avoir sous les yeux, actuellement. Je pense qu'il aurait pu faire n'importe quoi, ça n'aurait jamais paru ridicule, parce que c'était vraiment quelqu'un de puissant, sa manière de faire, même le poisson semblait noble, c'était une lutte noble et digne, vraiment, c'était indescriptible, mesdames et messieurs. On voyait la lutte entre la cuillère qui tenait le magnifique bestiau, et le pêcheur qui tentait de remonter sur le bateau. Non, vraiment, mesdames et messieurs, ça devait être quelque chose... J'aurais aimé être là, parce que ça devait être quelque chose d'absolument splendide. Je pense que déjà, en documentaire, ça a été un honneur pour moi de voir ça. C'est le genre de documentaire qui donne envie de devenir pêcheur plus tard, quoi. C'est vraiment... Je pense que tous les tâches de ce cégep ont dû voir ce documentaire avant, et puis ensuite décider, je veux faire du tâche, je vais venir à Baie-Comeau. Non, la pêche. Malheureusement, j'ai pas pu voir la fin de ce documentaire, comment le pêcheur s'en est sorti, parce que c'est quand même un sacré bestiau, puisqu'il y a eu un problème technique sur ma TV. Donc, je pense qu'on va pas tarder. Ça s'est fini très mal. Tout a raté. T'es là depuis le début ? Oui. Bon, ça tombe bien, j'allais introduire Benoît Tremblay. Attendez une seconde. Il y a un problème, je pense. Mais le Tremblay, c'est lui qui va penser. Quoi ?
On me dit en coulisses qu'il y a une petite inversion, donc un grand applaudissement au metteur en scène qui nous a fourni les petits cartons. Donc c'était bien en premier Benoît Tremblay et maintenant Félix Arsenault qui va nous interpréter, lui aussi, des chansons à la guitare. Bonsoir tout le monde, ça va toujours bien? Oui! Et là, pour le reste de la soirée, vous pouvez appeler Benoît ou Félix, je pense que ça va faire les deux. La première chanson que je vais vous présenter, c'est une chanson que j'ai écrite, ça fait déjà 3 ans. J'ai écrit ça quand je suis parti aux études, puis c'est un peu ma façon de penser, j'ai appelé ça « L'école ou la bière ». Maintenant que j'ai 16 ans, je suis prêt à partir d'ici. Loin de mes parents, de ma famille, de mes amis. Mais je pars pour mieux revenir. Ça, c'est une expression d'ici. Je sais que les étoiles, ça brille. Pour ça, c'est là, je l'écris. Mais puis mon chum d'enfance, on se prépare à s'envoler. J'ai jamais sorti mes ailes, mais ça doit pas être compliqué. De toute manière, je vais pas loin. J'ai juste à me rendre assez dur. Mais à la vitesse que je vais, t'as le temps de te rendre à Chefferville. Chanter, c'est dans le contexte, c'est pas une vraie histoire, mais c'est. J'ai peut-être pas écrit pour le futur si ça m'arrive. C'est un gars qui parle à son meilleur chum puis qui vient de se faire laisser, fait qu'il essaie de le réconforter. C'est
parle un petit peu là-dessus. J'espère qu'il y aura tout un jour. Pour mes chums. Salut mon homme, comment ça va? T'as pas l'air heureux ces temps-ci. Tu peux me parler de tes problèmes, ce qui va pas bien dans ta vie. Tu sais, je suis là pour t'écouter. Jamais je ne vais te juger. C'est juste une pause, je te jure, je suis là pour toi. On était prêts pour le futur, même si on savait que ça allait être dur. On a choisi le nom de notre enfant, approuvé par nos grands-parents. On la voulait, notre grosse maison, sur le bord de la mer, comme mon enfant. On était prêts pour l'aventure. Je commence à comprendre tes sentiments. Faut surtout pas rester assis. Lève-toi debout et exprime-toi. Tes souvenirs là, faut que t'es oublies. Faut pas te gêner ou t'enfermer. Les autres non plus vont pas te juger. C'est du passé. Au fond, même si c'était
est où, Sam? T'as vu mon chapeau? Ah ouais, je vois le genre. Tu te fais voler ton micro, donc tu me voles mon chapeau. En plein ça. Elle est sympa, la camaraderie, hein. Ah bah... Dis-moi combien je suis payé, tout le monde. Exact. Ils ont raison. Ouais. Ils ont raison. Je suis pas payé pour supporter ça. Je suis au staff et pas payé toi. C'est vrai que t'es pas payé non plus. On est camarades dans cette histoire. Mm-hmm. Bon. Depuis le début, on parle de pêche, mais... on en est où? J'ai pas trop suivi pour le moment. C'est avancé, pas quand même un peu. Ouais, ça s'est avancé. On va dire, bon. Bah, je me sentirais, même si je suis pas payé, je me sentirais quand même un peu coupable de rien faire. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'on avait depuis le début? Vas-y. On avait des. Plusieurs spectacles. Plusieurs spectacles, il y avait quoi? Des spectacles de danse. Ouais. Il y avait les deux chansons avec la batterie et les deux guitaristes, donc Félix Arsenault, Zachary Samuel, Benoît Tremblay. Il y avait des présentations, mais des animations. C'est vrai, bah, j'en sais quelque chose, ça j'ai suivi. On n'est pas payé, mais. Mais on les fait bien les animations, hein, hein, qu'on les fait bien les animations. Il y avait Elliot Courmier et Mathieu Jourdain qui ont fait un duo à la guitare. Ah oui. Antoine Morency qui a fait une chanson au piano et à la voix. Il y a eu de la danse. Oui, il y a eu de la danse en effet. C'est pas très pu voir, mais oui, il y avait de la danse. C'était Alissa Beaulieu et Lélia Saunier. Oh. Ensuite, Benoît Tremblay et Félix sont revenus pour la petite inversion pour faire des chansons. Pendant ce temps-là, on était chicanés derrière. C'est ça. Pour les costumes, comme. Ah bah, ça c'est costumes, je reviens toujours pas de cette histoire. Donc. Mais attends, je regarde, c'est fini? Non, non. Non. Hein? Il en reste un. Ah ben oui, c'est vrai, il en reste un. Il en reste un. Dans le fond, c'est Sarah Gipola qui s'appelle. On doit faire une animation un peu plus longue parce qu'elle nous invite dans son salon. Un peu plus de travail pour l'équipe technique. Qui va nous faire une mise en scène, guitare et chant, et du coup un salon sur scène. Non, ils sont toujours pas prêts. Ils sont toujours pas prêts. Non, non, attendez. Il faut qu'on comble le trou. Ils font le déménagement. Ils font le déménagement. Ouais. C'est ça. Vous par contre, ils sont payés. Hein. Juste en note de favoritisme. C'est bien le bruit, mais c'est bien les laits. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire une salle de position en politique technique parce qu'il faut un sacré boulot. Je commence pas à dire les noms, on dirait le générique de fin dans un film, c'est pas encore la fin, il en reste un. Hein. Ah, ben c'est thriller. C'est vrai. C'est comme les bugs parfois dans les montages, ils se trompent dans les séquences. C'est ça. Je regarde où ils en sont. Faut qu'on comble encore le trou, mais qu'est-ce qu'on va dire? Faudra bouger bien ce trou-là. Pas comme certaines routes. Y a plus rien sur mon papier. Ah, c'était un papier léger, ça. Je voulais pas qu'il tombe jusque-là, je voulais qu'il tombe à mes pieds pour que je puisse le ramasser et sortir à la scène. Maintenant, il va falloir que je descende pour le chercher. Ah, c'est vrai, c'est gentil. Merci. Ah. Il voulait voler ses propres ailes, c'est ça, il veut s'envoler comme ça. Quelqu'un le veut, c'est du papier cartonné. $1 de papier. Faut pas gagner notre pain. Ça nous fait un salaire. En vrai, on va vendre toutes nos petites fiches, on va les vendre comme ça, avec deux autographes. Ah, si seulement la vie, c'était comme ça. Ah oui, si seulement la vie, c'était comme ça. Je pense que je devrais faire ça. Au lieu de vendre ma maison, tu vois, au lieu de vendre ma maison, je mettrais au loto, genre 2 millions de billets de loterie, et si tu gagnes une maison, $1 le billet de loterie, plutôt de la vendre 160 000, je la vends 2 millions, puis il y a un Gus qui gagne une maison. Non, 1 $ fois 2 millions. Voilà, bah c'est ça. C'est ce que je veux dire. Oui. Mais c'est plus à 7 heures comme ça. Tu vois, 1 million en petit caractère, fois 2 millions. Je te suis plus là. Attends, je suis pas en sciences nat, moi je suis en technologie forestière, j'ai tout le temps du monde. Mais en 2 millions de versements de $1. Oui, ça, là je te suis. Ouais. Mais pourquoi fois 2 millions? C'est plus l'acheteur. Tu vois, $1. On comble trop le trou là, on part sur de l'économie, on va revenir plus simple, je regarde où ils en sont. Non, toujours. Donc, l'économie. Donc, l'économie, oui. Les prix ont monté ces derniers temps, oui. Les prix de la vie aussi. Et ça va mal avec. Je crois qu'il va falloir demander à l'aide publique. Vous avez un sujet là, de... Pas
parle, mais le coût de la vie avec 0$, c'est compliqué. Le coût de la vie avec 0$, c'est toujours de l'économie. Faut varier un peu. On fait de l'animation vivante, faut interagir avec l'économie. Parlons de l'animation, tiens. L'animation, bah on n'est pas payé déjà. Non, mais l'animation, c'est plus global. On en revient dessus. Pourquoi? Plus global. Plus global. L'animation plus globale. Tu veux dire, je te supporte, vas-y. L'animation de pêche, par exemple. L'animation de pêche? Ben oui. Tu veux revenir sur la pêche? Pourquoi pas? Revenons sur la pêche. Pour comment tu veux animer de la pêche? Tu veux quoi? C'est... Ben, tu bouges le poisson pour... Ben oui. Pourquoi pas faire ça? Alors, je pense que quelqu'un, un metteur en scène, a eu une idée qu'on refuse catégoriquement de faire. C'est vrai. Oh non! 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 Ça serait mal. Putain. Alors, ça, faut pas que ça. Vous pouvez pas vous retourner quand même. Voici. Je crois qu'il y a des plaques pour les mains. Et apparemment, pendant un instant, ils ont demandé de faire lag. Dites-moi combien je suis payé pour faire ça. Exact. Franchement. Ah, d'accord, je vais retourner chercher. Ouais. Ah. Voilà. Sinon, après, il me crie dessus si je le plie pas correctement. Ouais. Je vais voir où ils en sont derrière. Sinon, la vie. Ok. La vie. Mesdames et messieurs, ah, ils sont prêts. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Sarah J. Paulin. D'un bras chaleureux d'un amour naissant. Elle peut être énergique et rythmée, comme lorsqu'un événement nouveau vient, juste, vous savez, transpercer notre quotidien et nous faire découvrir enfin d'autres horizons. Elle peut aussi être forte et provocante, comme ces journées mouvementées qui font tant penser en se demandant pourquoi se nous fâcher. Elle peut être triste et lente, comme si on aurait passé à marcher dans l'infinité de la forêt qui pourtant a l'air de nous étouffer. Dans le fond, peu importe qui on est et d'où on vient, nous vivons tous avec ces émotions qui peuvent parfois prendre le dessus. Mais il faut vivre au-dessus de celles-ci, briser les barrières qui peuvent nous bloquer la vision et vivre. Vivre notre vie à fond sans se laisser couler dans les obstacles par son miche notre chemin. Vivre sans se laisser emporter par le souvenir du passé. Vivre, car c'est en ce moment même qu'il faut le faire, le présent n'attend pas. Vivre, car ici, tous ensemble, on peut y arriver. Et puis ensuite, on pourra enfin atteindre l'infinité. Thank you.
Laissez les vagues nous porter. Malgré les bas, il y aura toujours un peu de joie. L'espoir est ce qui nous guide et nous le fait voir. Merci beaucoup tout le monde. C'était Le passé, l'histoire d'une mélodie. Mon chapeau, mais c'est fini. Hein? Ben presque fini en fait. C'est maintenant bientôt l'entracte. Pendant ce temps, vous pourrez voter pour quel artiste plus proche de la bouche. Oh, c'est vrai. Faut parler plus fort, comme le début parfois. Oh, finalement, ça va être un peu moins fort. Donc, ça va être maintenant l'entracte, en fait. Vous pourrez voter pour quelle personne vous préférez. Pendant ce temps-là, les juges vont délibérer. Et vous aurez l'occasion de voir un humoriste. Donc, l'entracte durera 15 minutes. Je ne sais pas si on vous avait dit qu'il y avait trois prix qui seraient décernés. Un, ce sera le coup de cœur du jury, donc celui qui recevra donc, les 400$ et qui continuera l'aventure à Québec. Le deuxième, ce sera le coup de cœur du public. Et là, c'est à vous d'aller voter pendant les 15 minutes pour la représentation qui vous a le plus touché. Et par la suite, il y aura donc un humoriste professionnel qui va venir faire une représentation. Et à la suite du sketch, on aura la remise des prix et l'annonce du grand gagnant. Voilà. Alors, bon entracte à tous et merci. J'aimerais une grande table d'applaudissements pour tous les artistes qui ont.
Bon, dans ce temps, l'économie, comment ça va? L'économie, oui, l'économie. Eh ben, ça augmente, hein, qu'est-ce que tu veux, là, ah. Regarde, même au kibbutz, les croissants, maintenant, c'est 2,60, je crois. Mm-hmm. C'est honteux, je dirais. C'est l'économie entière qui est en faillite, hein. Heureusement. Qu'est-ce que tu veux prendre? Il y a des profs d'économie, là, un salle qui pourrait monter et nous aider. On a besoin d'un soutien, d'un expert. Et parlons-en de soutien, d'ailleurs. Du cégep de soutien? Il y a des employés de soutien du cégep? Ou la fondation du les soutiens qui maintient le cégep? Là, tu veux dire la fondation? T'es en train de parler des plots de béton qui soutiennent le cégep? Exact. Tu veux qu'on parle des plots? Alors, résume bien. Tu veux qu'on... sur scène? Oui. Devant l'amphithéâtre? Oui. Tu veux qu'on ait une discussion sur les plots en béton? Oui. Qui soutiennent le cégep? Exact. Ça te parle? Ça me paraît une excellente idée, parlons-en. Y a-t-il des experts en architecture dans la salle? Peux-tu faire le rappel encore? Ouais, je rappelle que si jamais on trouve Hermann Karl Gravel à monter... Il y aura pas de discussion sur les cours de... Les fondations du cégep. Malheureusement. On pourrait faire un gigantesque où est Charlie dans le cégep, mais sauf qu'il faut pas trouver Charlie, mais Hermann Karl Gravel. Je vais demander des instructions. Allez, donc, toujours à la recherche de Sherman. Et donc, on l'a trouvé, bonne nouvelle. Donc, je vous demande une slave d'applaudissements pour Herman. Allô. All right, salut tout le monde, ça va? Oh. Premièrement, j'aimerais remercier toute l'organisation, comme on fait à chaque année, que ce soit les techniciens, les animateurs, tout le monde qui sont en arrière, la metteur en scène, la mise en scène, toute la patente. Une bonne main d'applaudissements, c'est pas facile pour un peu comme ça. Alright, alors je suis ici pour annoncer les gagnants, bien sûr, faire plaisir aux gens. Comme toujours, ça n'a pas été facile. On s'est battu, il y a eu des morts. Il manque une personne, on peut le voir. Alors, on va commencer tout d'abord avec le prix du public qui offre 250$ aux gagnants. Alors, le prix du public voté par vous ont été Madame Alissa Beaulieu et Lénia Saumier. Oh oui, vous pouvez vous avancer. Come on down, venez-vous-en. Ah oui, on est entre amis, là. Hein? On a vu d'autres. Yes, sir. OK, alors maintenant, le gagnant du prix OBC, opportunité de produire un numéro sur la scène de l'ouvre-boîte culturelle après les fêtes. Alors, les gagnants sont M. Félix Arsenault, M. Zachary Samuel et M. Benoît Tremblay. Super! Et maintenant, c'est le temps d'annoncer le grand gagnant, le prix de jury qui comporte 400$, une participation à la finale régionale de Cégep en spectacle qui aura lieu à Jonquière le 9 mars prochain, ainsi qu'un voyage en flottement. Elle avait peur, hein? Alors, les gagnants sont Mme Alissa Beaulieu. Est-ce que c'est toi qui as le dernier mot ou je fais le dernier mot? Les animateurs? Les animateurs, et voilà. Ah, les bons événements! Bravo les mecs! Bravo!
C'était pas prévu qu'on vienne à ce moment précis sur scène. On vient de nous dire qu'il fallait donner un mot de la fin. Donc j'aimerais bien vous dire fin, mais ça marche pas comme ça. C'est fini. Voilà, c'est fini, ça passerait aussi. Donc je pourrais déjà dire bravo à tous les artistes. Je pense qu'ils méritent encore une fois. Bravo aussi à l'équipe technique qui a permis que tout ça soit réalisé. Ah, ça fonctionne finalement. À la troupe de danse qui nous a présenté un numéro hors concours au tout début, ainsi que la mini troupe de danse qui ont mis. Un applaudissement pour toute la danse. Peut-être un applaudissement aussi pour toute l'équipe du Cégep avec Tony, Pierre, le fameux metteur en scène. À la sonorisation pour toutes ces belles voix qui ont été très nombreuses cette année. Et bon, j'aurais dit qu'il était de danse, mais finalement, non, c'est plus la musique, désolé. Ainsi qu'à tous les effets sonores, finalement. Et merci à Alain pour tout ce qui est visuel et tout ce qui est gestion de l'équipe audiovisuelle. Ainsi que, justement, parlons de l'équipe visuelle. Merci à tous les techniciens de Thank you.